Ok les potes, bienvenue pour la troisième petite vidéo du jour. Du coup sur les skins, le bonus de Fortnite, du pass de combat, du chapitre 5, saison 1 bien sûr. Là avec le petit skin Oscar, qui est aussi un skin très joué. Et là, je vous montre en version Lego, pour ceux qui l'ont pas déjà vu en Lego. Il est trop mims, j'adore. Bref, du coup on va le prendre directo, presto les gars. Hop là. Voilà le petit skin du coup. On fait s'équiper. Voilà. Et on va regarder dans le salon à quoi il ressemble le petit skin du coup Oscar. On va faire une petite danse. Hop. Ta-ta. Bon, bien sûr, les musiques sont copyright, les dames. Donc, c'est normal que vous l'entendez pas. Vous inquiétez pas. Puisque comme c'est copyright, bah, je peux pas les mettre. Non, dites-moi si vous adorez le skin déjà de base. En temps normal. Je sais que c'est un skin que peut-être pas les tryhards vont jouer forcément. Parce qu'il est un peu plus mastoc que les deux autres que j'ai fait en vidéo tout à l'heure. Du coup, mais c'est un skin que je trouve qu'il est sympathique. C'est comme un tigre avec un costard, les gars, quand même. Limite, moi j'adore aller là où il habite. Parce qu'il est comme boss, bien sûr, sur la carte. Comme la plupart des skins de passe de combat qu'on a. Et j'adore aller le voir là-bas. Hein. Je prends son arme. En plus, j'aime bien le pompe qu'il utilise alors. Bref, mais du coup, c'est un skin que j'aime quand même beaucoup jouer personnellement et j'aime bien ce skin. Enfin voilà, c'est vrai qu'il y a des skins que j'aime plus que d'autres, c'est que ça dépend des goûts, des gens qui préfèrent les skins fins, des skins trolls, les skins machin. Bref, j'ai tout pour tous les goûts dans un pass de combat en général. Donc moi personnellement, je valide. En custom violet, bon, je sais pas, pff, violet peut-être pas forcément parce que moi je sais pas si je mettrai en violet ce skin-là du moins. Par rapport aux deux autres, ça me dérangeait pas trop. Celui-ci, je mettrai notamment les customs de base. Que j'aime bien avec le côté bleu et les yeux bleus, vous voyez lesquels que je parle. Une des customs du coup qu'on obtient du coup en faisant les défis. Si vous n'avez pas fini vos défis les gars. Je parle bien de la custom comme ça. Voilà, comme ça il est stylé. Regardez-moi. Ah, oh, vite le violet en marque. Parce que voyons voir en blanc. Parce que là je l'ai mis en version normale. Je vous rappelle que tous les skins ont plusieurs versions. Ah ouais, il est quand même stylé en blanc. Ok, blanc et bon, violet peut-être que ça passe mieux. Celui-là, je sais pas, c'est un peu plus bizarre. Mais j'aime bien un mode comme ça électrique. Genre en mode normal comme ça. Je kiffe comme ça. Moi comme ça j'adore. Bon, peut-être parce que le vêtement est vert, peut-être pour ça. Le vert avec du... Non, ça fait stylé comme ça. Mais voilà, du coup si vous le mettez en violet, moi je pense que version blanc, c'est quand même plus sympa. Après c'est mon aperçu à moi les gars. Peut-être que vous aimerez peut-être pas. Mais si, genre, si je me compare à la couleur du coup de la tenue. Je pense que le blanc il fait plus stylé que la version normale. La version normale est bien, mais en blanc c'est mieux. Je sais pas si vous êtes d'accord. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez comme custom, en mode champion, en mode par défaut ou en mode électrique avec la custom violette. Parce que la version normale, c'est la version normale quoi. Bref, sur ce, je me dis à demain. Demain. Oui, à demain ou à tout à l'heure. Dépend à quelle heure vous regardez les vidéos précédentes qui arriveront. N'oubliez pas le petit bleu de vous abonner comme d'habitude. Et je vous dis à plus tard. Ciao!